Ouais, ça va. C'est de la petite grimpette. Petit trail, Nourpin. Au bord de la mer, avec la patrouille de France. Attends, ça démarre, Espagne. Donc on va là-haut. Voilà. Petite bosse. Ça change de nos Alpes. Donc là, on va courir un peu sur la plage. Avant d'attaquer. Là-haut. Allez. À toutes. C'est meule. Il dit c'est meule. Il y a les pieds qui s'enfoncent. C'est pire que dans la neige. Allez. Les baskets, elles comprennent pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce sol? Vas-y, mais qu'est-ce qu'ils font là? Allez, continue.
Et voilà, voici au phare. Phare de Tossa. Bon là c'est fermé. Bon, elle est là-bas. Essayez de monter les escaliers. Allez, c'est parti, on passe par là. Allez, on continue. Petit rail urbain pour faire découvrir le château. Et on va voir si on passe dans la vieille ville, qui est magnifique aussi. Allez, on continue. Attention de ne pas tomber, les escaliers ça fait mal là. Piqué. Alors. Je pense que c'est là, à gauche. Attention à la tête. Et on va là-haut. À gauche, là, par là, et à gauche dans la ruelle. Les escaliers, ça picote. Mais la vue est magnifique. On vient de là-haut, donc du phare, et on va là-haut. C'est le chemin des rondes. Il fait 12 km, voire plus. Il va jusqu'à Luret des Mares. Allez, j'en prends là-haut. Ouh, la patrouille de France toujours en forme. Allez, on continue. C'est pas magnifique? Et on va là-haut. Allez, continue. Cactus. Un autre monde. Intéressant quand même. Des petites bosses, mais ça font mal. Donc là, on vient de là-bas, on voit bien le phare de Tossa. Et là, on suit le sentier des rondes. Donc, on va continuer. Je pense qu'on arrive au sommet là. Ouais. Ouais, la patrouille de France avec que j'ai eu cueillir un cactus. On ne veut pas y aller. Hein. Non, non. Elle va se débarrasser de moi. Allez, zou, continue. Encore des marches. Je hais les marches. On va les éviter. Fait des zigzags pour allonger la distance.
Allez, moi je marche. C'est franchement super agréable. Le top. Il fait chaud. Et Pinède, c'est vraiment joli. Une belle balade à faire en famille. Allez. Je reprends plus tard. C'est combien de kilomètres là? 4 à tout casser? Ouais, 4. Ouais, 4. Donc là, on se retrouve sur une piste forestière. Allez, on continue. Donc là, on longe toujours la côte. Voilà. Et on continue. Petite côte quand même. On va jusqu'au village. Après, on va aller voir là-bas au bout. Puis après, on fait demi-tour. On va avoir une belle petite côte à monter encore. Ouais. Kilomètre 6, on fait demi-tour et on retourne vers Tossa. Allez, c'est parti. Donc je disais, c'est reparti direction Tossa avec des belles côtes qui font mal aux jambes. Et le soleil se lève et il fait chaud. Allez, je vous reprends en haut. On voit des petits sentiers. On va voir ce qu'il y a au bout. Ouais, si tu veux, ouais. Ça descend sur la crique en bas, j'imagine, je sais pas. Allez, on va voir ce qu'il y a là-bas. Belle petite descente, la mer en face, joli. Bon, il n'y a rien de spécial, allez, on repart, c'est parti. Pas avoir le vertige là. Donc le phare de Tossa, nous on va redescendre le long du chemin là, avec des escaliers, le phare là-bas, le château qui est juste derrière, et la mer, et la patrouille de France. Bon bah allez, on continue. Parti. Avec ma caméra. Allez, let's go. J'ai de filmer un peu la descente qui est magnifique. Non, c'est pas facile à courir, c'est des escaliers. Mais c'est pas grave. On va regarder le paysage. Allez. C'est pas magnifique ça? Et un petit vent, il est frais, ça fait du bien. Et vas-y, continue. Continue, je te filme en descendant, comme ça je te rattrape. Voilà, on voit bien le château là. Les fortifications.
la patrouille de France qui descend. Et le paysage qui est magnifique. Allez, il y a un petit vent, donc là on va descendre, on va repasser un peu dans la vieille ville. On va refaire la plage et on va rentrer à l'hôtel. Enfin, à l'hôtel, ouais. Puis voilà, voilou. Allez, à toutes. Je ne vais pas glisser sur les marches. Voilà. Technique. Petit parcours technique. Allez. Hop là. Pas tomber. Je vais pas tomber surtout. Allez. Oh, ça donne le vertige là. C'est vertigineux. Hein? Là, tu regardes en bas là? Ouais. Allez, on va vous filmer la descente. Je me tiens à la rambarde. Moi qui ai le vertige. Oh, oh, oh. C'est con hein. C'est super beau. Allez, non, ça va. Il n'y a pas trop de difficultés. Moi j'ai le vertige et franchement ça va. Ça va, ça va. Non, j'ai pas peur. Il y a les rambardes. Allez, zou, continue. Allez. Y aura-t-il le feu là-bas? C'est quoi qui fait? C'est le sable. Allez. Ouais, on passe, c'est pas où on est passé, non? On passe par le petit trou. Et c'est reparti pour une côte de fou. Les oranges sont les armes. Et voilà, c'était une petite boucle de 10 km autour de Tossa et sur le chemin des... Le chemin de Ronde, je crois que ça s'appelle. Camille de Ronda, un truc comme ça. Ouais, voilà. Donc on est passé par là. On est monté. Après, on a suivi la côte par là-bas. Voilà. En espérant que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans les Alpes.